Bienvenue, mesdames et messieurs, cette semaine à l'émission Le Coin à Creatchman, à ma gauche. Tu vois deux vedettes qui sont rentrées ici dans la lutte internationale. Une, il s'appelle, une, il vient de Hawaii, il s'appelle Hawaiian Punch, je pense que lui, non? Hawaiian Punch, your name? No, no, my name's, that's my no, partner. No, no, that's oh, me. Oh, oh, c'est toi, Hawaiian Punch. Oh, toi, tu viens d'Hawaii, Hawaiian Punch. Puis toi, tu viens de Puerto Rico, le Grand Mendoza, c'est ça? Ah, oh, j'ai voulu m'allonger, je m'excuse. Là, vous avez un combat à venir, là. Puis le combat, ça a été signé, vous autres, contre Richard Chaland et Pretty Boy Chuck Sims. I'm just telling the people that you have a contract that was signed that you're going to go against Charlene Sims for the International Tag Team Championship belt, right? Yeah, that's right. That's right. Tu parles pas gros en français, hein? You don't speak French no, at all? No, not at all. Too bad. Hein? C'est pas bien intelligent. Il est pas bien intelligent. Ben, non, c'est pas un bob à 100 watts. No, no, no. Pas 100 watts, pas 100 watts, oui. No, no. I just speak Spanish, whatever. You can talk to me in Spanish. Oh, tu peux parler juste un petit peu en anglais, puis l'espagnol, hein? Peut-être tu peux... You want to say a couple of words in Spanish? Oh, sí, por supuesto. Si tú quieres, tú y yo podemos hablar lo que... Me puedes seguir entrevistando en español ahora, si quieres. Whoa. J'ai rien compris. Je sais pas si t'es en train de faire des tricks avec ta langue, là. J'ai rien compris de ça. Puis, would you like to say something to the... There's no Hawaii. Il n'y a pas du monde hawaïen ici dans la province de Québec, hein? So all I want to say is Mendoza and the Hawaiian Punch is here, and we want to make you fans out there a better champion when we wrestle against Richard Charland and Chuck Sims. Oh, si j'ai bien compris, je pense qu'il est en train de dire que, mesdames et messieurs, si vous êtes en arrière de moi, ça va être succès tout partout où ce qu'on va aller. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'il veut vraiment dire, c'est que McGee rentre en ring contre Charland puis Sims, il n'y a pas aucune chance contre les autres. C'est impossible que les autres vont arracher les ceintures de Charland et Sims, right, Rocky? Non, impossible. Je pense que c'est ça qu'il veut le dire au monde, hein? Il va manger une volée dans le ring. C'est-tu vrai que t'es venu ici dans la province de Québec pour apprendre comment lutter? I just want to ask you, you came to a... You came to... Anyone already told this guy to please don't put his hands through the wall once. Oh, tu veux pas qu'il touche tes cheveux? You don't want me to do it again. Tes cheveux. Et toi, tes cheveux sont pas mal beaux aussi. On dirait que c'était un mop, ça, pour laver des planchers, mais on parlera pas de ça. Okay, I just was telling the people now that you came to the province of Quebec and you wanna take the belts away from Charlene Sims. Forget about him. Oublie Rock. Yeah, leave the devil alone. Moi, un petit peu de respect, yo sé tan cara por eso. Hey, dígale al caballero aquí, por favor, que se deje esas cosas. That's right. Hola, francés, me compra, por. You better learn Spanish, because I'm going to be here for a long time, so you better start learning Spanish. That's right. If you don't know, I'm going to teach you. Yatsungirayel, mesdames et messieurs, you have, you know, I don't know, maybe we can measure your tongue. You talk, you don't stay quiet for 1 minute, you know. I don't understand your problem. Je pense que ces deux gars-là, il y a un petit problème, mesdames et messieurs. Pour moi, là, ils ont fait déporter de leur pays, puis ils ont fait envoyer ici dans la province de Québec. C'est bien valeur, parce que les professeurs ici dans la province de Québec, c'est des gars comme Rocky, puis Bob DellaSerra, les Charlans, puis les Sims, puis l'agent du sport, right? Well, I don't know what you said. All I had to say is that I don't like you. No me gustas, oíste. De la misma forma, no me gusta, no me gusta. Eso j'ai compris, par exemple. Là, tu me dis... No me gusta, no me gusta, j'ai compris. Ça veut dire que tu m'aimes pas. Puis là, t'as dit ça devant des milliers de spectateurs. Puis mes avocats, Steinberg, Weisberg, puis Greenberg, ils vont regarder ça, puis je vais prendre des procédures contre vous autres. Il n'y a plus rien à dire. À venir, Bob DellaSerra, revenu parmi nous contre Denis Goulet. We'll be right back.